Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne consacrée à mes objectifs livresques, objectifs de lecture, ouais je pense que c'est plus français, concernant mes sagas, les sagas que je voudrais boucler en 2020 et il y en a pas mal dans le sens où il n'y en a pas beaucoup mais comme il y a pas mal de tomes sur certains, au final ça fait quand même pas mal à lire pour l'année. Alors j'ai pas tous les tomes de toutes les sagas à vous présenter parce que je les ai pas tous achetés, hein, je les achète au fur et à mesure. Néanmoins je vais quand même vous mettre une petite photo là sur le côté pour représenter la saga dont je vous parle. Et on va commencer avec une première saga que je voudrais absolument boucler en 2020. Il s'agit tout simplement des Outrepasseurs. Comme dit dans une précédente vidéo, je vous avais dit que je m'étais acheté le tome 3. Donc voilà, j'aimerais bien le boucler assez rapidement et lire le tome 4 dans la foulée. Comme ça voilà, j'en aurais terminé avec les Outrepasseurs cette année. Je pense que là c'est plus que jouable, hein. C'est pas non plus une énorme saga. Je me suis vraiment fixée comme objectif de boucler les deux derniers tomes qui me restent cette année. Ensuite, une autre saga que j'aimerais également boucler cette année, il s'agit des Chroniques Lunaires. Je vous en ai parlé dans mon Pumpkin Autumn Challenge et je crois même dans le Cold Winter Challenge, je sais plus, je me mélange un petit peu les pinceaux. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 qui sont donc, si mes souvenirs sont bons, Scarlet et Cinder et Scarlet, voilà, dans l'ordre. Et en fait, c'est une saga composée de 5 tomes. Voilà, donc ça veut dire qu'il m'en reste 3 à lire cette année. Je pense que c'est jouable, même si c'est un petit peu des pavasses, ça se lit quand même assez rapidement. Donc voilà, je pense que voilà, je me challenge pas trop non plus, ça va, je me mouille pas trop, donc je pense que c'est faisable. Ensuite, il y a également la sélection que j'aimerais terminer cette année, parce que j'ai déjà commencé, j'en suis au 3e tome, alors ça fait un petit moment que je l'ai, mais avec les challenges de fin d'année dernière, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de me mettre dans le tome 3. Donc voilà, c'est une série qui est composée de combien de tomes? La sélection, c'est 5 tomes. Je pense que c'est pas la mer à boire, j'en ai déjà lu 2, il m'en reste 3. Donc bon, je pense qu'on va réussir à caler ça quelque part. Et en plus, ça se lit très facilement, j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture... voilà, qui prend pas la tête, hein. C'est vraiment tout doux, j'ai l'impression vraiment de regarder une télé-réalité quoi, en même temps le concept de l'histoire aide un petit peu. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est pas trop en demander hein, de moi-même, c'est largement faisable, mais j'aimerais vraiment boucler ça cette année parce que je vois pas en fait pourquoi je retarderais plus, d'autant plus que voilà, si je traîne, je vais tout oublier. Il y a également une autre petite saga que j'aimerais terminer, c'est, j'en ai parlé dans une autre vidéo, la quête des Willan. Donc là, je me suis procuré le tome 2. Et bon, franchement, moi, dès lors que j'enchaîne avec un tome 2, bon, après, je continue, quoi. Parce que, généralement, moi, c'est un peu le premier tome qui est, on va dire, décisionnaire. Si le premier tome, j'accroche assez pour avoir envie de lire le tome 2, généralement, je continue mes sagas, quoi. Sinon, si le 1, je vois que j'ai pas accroché, je me casse pas la tête, j'insiste pas des masses. Donc voilà, je laisse tomber. Mais là, voilà, vu que j'ai lu le 1, j'ai bien aimé, j'ai pris le tome 2. Donc bon, il y en a que 3. Encore une fois, je prends pas trop de risques. Et aussi parce que, voilà, c'est du Pierre Bottero. Il y a aussi Les Mondes des Willan. Si j'ai bien accroché avec la trilogie La Quête des Willan, je pense que je me pencherai après dans Les Mondes des Willan. On verra, en tout cas, voilà, encore une fois, c'est que 3 tomes, donc je pense que je peux quand même les boucler dans le courant de l'année. Maintenant, je vais vous parler du Pays des Contes. Et oui, je suis pas très originale, hein, mais comme je vous ai dit, j'ai tellement kiffé le 1 que voilà, je me suis pris le tome 2, j'ai vu qu'il y en avait 6 qui étaient parus, donc je pense même qu'il y a un tome 7 qui va sortir, enfin je sais pas, faudrait que je regarde un petit peu mieux si Chris Colfer continue d'écrire d'autres tomes. Mais en tout cas, voilà, il y en a 6. Donc là, c'est un peu plus conséquent. Surtout que j'en ai lu qu'un pour le moment. Là, je vais m'attaquer aux 2. Mais voilà, il y en a 6. Et j'aimerais vraiment ne pas les faire traîner et boucler les 6 dans l'année. Et comme ça, voilà, s'il y a le 7 qui sort, bon bah le temps qu'il arrive en France et tout machin nanan, voilà, je pense que je serai bon là, je serai dans les temps. Là je me challenge un petit peu plus, hein, faut vraiment que là je laisse pas trop traîner le truc. Donc c'est pour ça que là le 2 j'ai envie de vite le manger, comme ça après j'enchaîne avec le 3. Et après voilà, je pense que je me ferai une petite pause. Après peut-être en milieu d'année je reprendrai 2 tomes et peut-être en fin d'année, voilà ce qui restera.
Donc voilà, je l'ai commencé, je l'aime beaucoup, donc j'aimerais vraiment, vraiment la terminer. Maintenant, on va parler de sagas qui sont assez anciennes, enfin assez anciennes, attention, je pars pas non plus dans les années 80, et qui sont dans un tout autre registre. Alors là, on aime ou on n'aime pas. On va parler un petit peu de bouquins érotiques. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets alors que non, ce sont des sagas érotiques, il y a pas d'autre mot. Et là, je vais vous parler de la saga Beautiful. Alors, je pense que vous vous souvenez, pour celles qui ont lu le genre, Beautiful Bastard, Beautiful je sais plus quoi, Beautiful Stranger, Beautiful Trucmuche. Enfin voilà, il y a en gros, alors attendez, j'ai noté, dans les Beautiful, il y a 5 tomes et 5 nouvelles. Je les ai tous. Je les ai tous. J'ai acheté Beautiful Bastard quand il est sorti. Donc là, pour le coup, j'ai tout. Hein. J'ai du grand format, du petit format. Voilà, là, j'ai tous les formats. Mais j'en ai lu, je crois, 4 au moins. Et bah, j'aime bien. Alors franchement, la littérature érotique, c'est vraiment par phase chez moi. Je vais avoir une phase où je vais lire que ça. Donc oui, je l'avoue, sans honte aucune d'ailleurs. J'ai été happée par le phénomène Fifty Shades, hein, je n'y ai pas échappé. J'ai adoré, encore une fois, je n'ai pas honte de dire que j'ai adoré 50 nuances de Grey. J'ai lu les 3, je les ai même en anglais. Je les ai jamais lu en anglais, mais je les ai quand même en anglais. Parce que j'ai perdu les tomes en français à force de « Ah, tu me le prêtes, machin !» On ne les a jamais rendus. Donc je me suis acheté les 3 tomes dans un coffret en anglais, me disant « Hey, vu que je les connais par cœur, je vais lire en anglais, ce sera facile. » Et au final, je les ai jamais lus en anglais, donc bon, bref. J'assume complètement d'aimer ce genre de littérature, ça ne me pose aucun problème. Je lis de tout, donc voilà, c'est pas comme si je me cramponnais qu'à un seul style. Je lis de tout, donc j'assume d'avoir de temps en temps envie de lire un petit plaisir coupable, on va dire. Mais voilà, donc 5 tomes, 5 nouvelles. Je les ai, ils m'ont coûté que dalle. Donc voilà, j'aimerais bien quand même les boucler parce que... Je trouve que c'est un peu chiant quand même de les avoir et de pas les lire, donc voilà, ils dorment gentiment dans mon placard. Donc je pense que là, cette année, allez hop, je vais me faire, je vais me mettre un petit coup de pied aux fesses et je vais me les terminer. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre saga que j'aimerais également terminer. Il s'agit de la saga Crossfire. Alors, Crossfire, on va quand même s'arrêter 2 minutes pour parler de cette saga de Sylvia Day. Ils sont sortis... au même moment que les 50 nuances. Et pour vous dire, j'ai quand même beaucoup aimé voilà 50 nuances et tout ça. Mais à l'époque, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, j'ai toujours préféré Crossfire. Et je trouvais dommage que ça n'ait pas plutôt été Crossfire qui soit adapté au cinéma plutôt que 50 nuances. À mon sens, il y a quand même une différence entre les deux. On reste dans le même genre, on reste quand même dans une relation un peu malsaine. Alors quand je dis un peu malsaine, c'est dans le sens où on va pas se voiler la face. Hein. Quand on prend 50 nuances, un type sadomaso qui tombe sur une vierge... c'est le grand amour, mais il l'initie à tous ses délires, machin nanin. Le mec, il est hyper jaloux, l'autre, elle veut pas faire ce qu'elle veut, et quand elle bosse, il la surveille, nani. Il y a quand même un petit côté malsain derrière, hein. Alors oui, ok, ça fait kiffer, moi, la première, hein, beaucoup de femmes. Quand on regarde le truc avec du recul et avec une grande objectivité, bon... Voilà, hein, c'est pas, faut pas non plus trop idéaliser ce truc-là, c'est pas sain, quoi, c'est pas sain. Et dans Crossfire, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant comme histoire. Là, dans Crossfire, c'est vraiment les deux personnages qui traînent des casseroles, mais alors là, c'est plus des casseroles qui traînent, c'est carrément toute une cuisine entière qu'ils ont derrière eux. Bah, on se dit, ouais, mais alors comment ils vont se tirer vers le haut si les deux, ils sont, s'il y a trop de trucs qui vont pas dans leur vie, quoi. Bah, justement, il était là. Le truc intéressant pour moi, c'était justement de voir comment ces deux personnes à vif, vraiment, mais les horreurs qu'ils ont vécues, bah comment ça allait fonctionner, comment ils allaient faire fonctionner leur relation. Il y a 5 tomes. Si vous n'avez rien contre la romance érotique, si vous n'avez rien non plus contre les relations que certaines féministes ou pas d'ailleurs diront un peu malsaine, ouais mais on n'aime pas ce cas de figure, machin, nan, moi je m'en fous, je sais très bien faire la part des choses. Lisez Crossfire et dites-moi ce que vous en pensez. Ok, l'effet Fifty Shades, machin, il est retombé depuis très longtemps, d'accord, mais je ne les lirai plus les 50 nuances, c'est bon, j'ai compris.
Mais les Crossfire, je les ai ressortis l'an dernier et j'ai relu le tome 1 et le tome 2. Quand j'ai bouclé les deux premiers tomes, bah, j'avais toujours pas eu la suite en fait. Donc j'avais quand même très envie de savoir la suite. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc preuve en est que finalement, la mayonnaise, elle a encore pris à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, moi je. Si vous aimez le genre romance érotique, tout ça, je vous les conseille. Et j'ai beaucoup blablaté dessus, mais parce que voilà, je voulais quand même revenir sur ce genre littéraire et dire ce que j'en pensais, parce que je vois que c'est quand même assez diabolisé sur BookTubesphere, et je comprends pas vraiment pourquoi. Moi, j'aime bien cette littérature, quoi. Les Beautiful, c'est pareil, hein, y a aussi des scènes de sexe. Ça me dérange pas, encore une fois, je sais où je vais, donc je suis ok avec le truc, quoi. Et je prends ça vraiment comme du divertissement. Et voilà quoi, ça me fait marrer. Ça. Alors des fois oui, il y a une part de fantasme ou quoi, mais encore une fois, voilà, quand on va vers cette littérature, on sait ce qu'on cherche et ce qu'on veut. Tout comme quand je vais vers de la jeunesse, je sais ce que je veux. Quand je vais vers de la fantaisie, je sais ce que je veux. Et j'en ai pas honte, quoi. Pour moi, c'est de la littérature au même titre qu'un autre genre littéraire, quoi. Enfin. D'ailleurs, je pense que ça, j'en ferai une vidéo parce que c'est un sujet qui m'a toujours agacée. C'est quand je parle avec des gens de justement qui aiment lire également. Quand on me dit oui, mais alors toi, tu lis quoi? Donc j'énonce un petit peu les genres que je lis. Ah, mais ça, c'est pas de la vraie lecture. Ça, c'est le truc qui me fait vraiment monter les poils, grincer des dents et sauter au plafond. Mais ça, franchement, je vous en ferai une vidéo. Exclusivement sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui m'énerve. Et donc voilà, je pensais que c'était le bon moment de vous faire quand même une petite parenthèse sur la littérature érotique. Faut arrêter de la voir comme quelque chose de bah non, c'est pas de la littérature. Ouais non, c'est pas vraiment si si si. Voilà, c'est juste que ça ne plaît pas à tout le monde. Encore une fois, des gens qui aiment la fantaisie, d'autres pas du tout, d'autres qui aiment la poésie, d'autres pas du tout. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Et moi, la première, je respecte tous les genres littéraires, même ceux que j'apprécie moins. Et voilà, donc j'ai pas honte d'avoir aimé 50 nuances, j'ai pas honte d'avoir adoré Crossfire et d'aimer encore. J'aime ma littérature érotique et je vous en parlerai et je vous en recommanderai pour ceux qui aiment. Et puis voilà, on va s'arrêter là, je pense que vous avez compris le message, mais vraiment, hein, je vous ferai une vidéo sur... Sur ce débat là de lecture, fausse lecture, machin, parce que ça je les ai là quand j'entends ça. Donc je pense que ça pourrait faire en plus un bon petit débat. On verra ça dans les commentaires. Mais voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis encore une fois si vous avez lu ces sagas-là. Également aussi votre avis sur la littérature érotique. Voilà, on peut peut-être lancer un petit sujet dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez comme moi que. On tape un peu trop dessus alors que bon, c'est pas. Voilà quoi. Je dirais pas qu'il faut les mettre dans les mains des ados. Parce qu'effectivement, si elles lisent ça, elles vont peut-être se prendre ça comme modèle et non. Mais en tant que femme, trentenaire, quarantenaire, etc., etc., bon, voilà, une fois qu'on a le recul, on lit ça comme on lit une romance de Noël ou voilà, un truc léger, léger quoi. C'est pas fait pour. Wow, prendre tout au premier degré, hein. N'est-ce pas? Eh bien écoutez, je vais vous laisser, j'ai arrêté de blablater. Je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah! Bisous, ciao!